J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs, scoops et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Donc là, je vous fais un petit snap, le dernier petit snap 2021. J'ai rien de prévu ce soir pour le 31 ni autre. Rien du tout. En même temps, ça fait 2 ans qu'on ne fait rien. Donc, dernier petit snap 2021, je m'explique. Je vais prendre une pause des réseaux sociaux. Combien de temps, je ne sais pas. Je ne vais pas commencer à vous dire, je me retire, adieu, machin, et après la fille revient. Non, je ne suis pas du tout en train de chercher ça. Juste, je vais faire une pause pendant un moment. Je ne sais pas combien de temps. Je ne peux pas vous dire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je ne sais pas du tout. Je vais très bien, hein. J'ai le ventre plat, on ne m'invente pas s'il vous plaît, quoi que ce soit, à l'arrête parce qu'elle est fatiguée, elle est trop malade, non pas du tout s'il vous plaît, on ne m'invente rien d'autre, etc. C'est juste que je suis en burn-out total des réseaux sociaux, mentalement les réseaux sociaux c'est en train de m'épuiser vraiment, surtout que je suis en plein surmenage étant donné que j'essaie de faire 2 contenus différents, donc enfin bref, quand il y en a un qui a moins de contenu que l'autre, qui a moins de contenu que l'autre, donc plus sur Snap ou moins sur Instagram, ou plus sur Instagram, moins sur Snap, je me mets à stresser. Je suis dans un moment de grand stress, vraiment, par rapport à plein de choses, hein, mais plein de petites choses qui me stressent, et du coup, bah, ça me met vraiment, enfin, ça m'oppresse. Là, tout de suite, je vous parle, j'ai super mal au niveau du thorax, juste parce que je suis stressée. Donc, il faut que je lâche prise complète de tout ça, parce que c'est en train de me... C'est pas vous, hein, qui me dérangez, c'est pas les gens qui me suivent, c'est pas... C'est vraiment, voilà... couper, c'est-à-dire couper, parce que c'est, je suis vraiment fatiguée, je sais pas comment je peux vous l'expliquer, il y a des gens qui sont fatigués parce qu'ils sont dans un bâtiment et qui se lèvent tous les jours à 4h du matin, et c'est pas du tout la même type de fatigue, je dis pas que mon métier c'est le plus dur du monde, c'est juste que parfois à un moment donné il y a trop d'émotions qui se croisent entre ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux, entre ce que toi tu peux avoir de ton côté, etc. Et ça fait boum quoi, voilà. D'où l'expression le burn-out total, de l'expression burn-out, voilà. Donc je vous faisais ce petit snap pour vous prévenir, pour pas couper comme ça et que vous vous disiez mais elle a disparu, etc. Donc je reviendrai quand je sais pas, quand j'estimerai que voilà, là c'est bon, que je me suis calmée, que j'ai réussi à gérer, parce que là je gère plus. Voilà, à force de trop prendre les choses à cœur, à force de prendre les choses à cœur pour les autres, pas pour moi-même, parce qu'en règle générale, moi, je m'en fous un peu. Justement, c'est le problème, s'en foutre de soi-même et toujours se préoccuper des autres. Et ben, ça donne ça. Voilà, donc il faut que je m'occupe de moi, parce que si je ne sais pas m'occuper de moi et que si je ne m'occupe pas de moi, je ne vais pas m'occuper correctement de mon fils. Et ça, c'est quelque chose que j'accepterai pas, que je ne me pardonnerai pas. Donc, il vaut mieux que je m'arrête. Maintenant, pour un moment, combien de temps je sais pas, comme je vous ai dit. Donc voilà, donc je vous souhaite de passer des bonnes fêtes et plein de bonnes choses pour ce nouvel an. Je vais rien faire de spécial, je vais certainement vous reposter après les mémorises de mon jour de l'an il y a 2 ans qui étaient juste exceptionnelles. Donc les mémorises, si jamais je suis connectée sur Snapchat, je les mettrai de temps en temps, sinon j'en mets pas. Le but c'est vraiment de déconnecter et Instagram et Snapchat. Donc voilà, ça tombe très mal parce qu'en janvier on reçoit énormément de nouveautés CME qui vont vous faire plaisir, très plaisir. Voilà, je prendrai les photos et je vous indiquerai juste que c'est sur le site, voilà. Je vous mettrai le lien directement pour ceux que ça intéressera. Et ceux que ça n'intéresse pas, bah, c'est pas grave, faites comme si je n'étais pas là. Voilà, voilà.